Certains, les amis, aujourd'hui est un jour férié en France et j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux de juifs qui se déguisent en habit de Noël, qui jouaient Joyeux Noël. Alors c'est très bien pour les non-juifs qui fêtent Noël, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir que la source de Noël, c'est quand même des pogroms anti-juifs. C'était quand même des moments où ils se levaient pour abattre du juif. C'est pour ça que le rabbi de Lubavitch, il disait qu'il ne fallait pas étudier la Torah, qu'il fallait être éveillé en jouant à des jeux de société comme les échecs pour garder son esprit éveillé au cas où les gens viendraient les attaquer. Alors comment est-ce qu'on peut continuer à se dire, oui, ben, joyeux Noël, etc. Quelle est notre place? Quelle est notre identité? Notre identité, c'est Israël. Notre identité, c'est Hakol Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov. Et les mains, c'est les mains des Saves. Jusqu'à quand on va se croire être les nations du monde au lieu d'être Israël? Jusqu'à quand on va essayer de prendre la place des autres et pas être soi-même? Laissons aux nations du monde le fait de fêter Noël, laissons aux autres le fait de fêter Noël, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Mais nous, on n'a pas de 25 décembre, notre jour de l'an, on n'en a pas. On va pas fêter le 31 décembre, 5, 4, 3, 2, 1, non, notre jour de l'an, c'est Rosh Hashanah. Et ça, depuis la nuit des temps. Donc reprenons notre identité et gardons une identité forte. Am Israël, Chai Vekayam.